T'inquiète pas. C'est exactement ce qu'il faut faire pour te détendre. Lucas, j'ai absolument besoin de cette chanson. S'il te plaît, tu peux me la faire, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je vais réfléchir à ça. Merci, mon amour. Un jour, je deviendrai une star. Je réussirai pour nous. Je t'en fais la promesse, même. Vous savez, j'ai très, très envie de vous connaître. Vous voulez pas qu'on dîne ensemble ce soir? Oui, ok, pas de soucis. Il me plaît pas, ce type. Comment tu peux dire ça? C'est une star. Oui, d'accord, c'est une star, mais bon, je sais pas, je le sens pas. Et dis-moi, t'as craqué son pied un peu? Je le trouve intéressant. Et tu sais que pendant mes déplacements, je déteste m'ennuyer. Bah, avoir une chanson de Stéphane Brown, alors ça va, quoi. Je me pose trop de questions. Julien? Julien? Je veux la gloire, écrire l'histoire, c'est mon... Julien! Pardon, je pensais qu'il y avait ma fille. Elle arrive, monsieur Delacour. Je vous présente Jess, une amie. Mademoiselle, enchantée. Bonsoir, monsieur. Violette, tu pourras dire à ma fille que je suis là? Oui, pas de problème, je lui dirai, monsieur Delacour. Bien. Oh, mon Dieu, j'ai tellement flippé que j'ai cru que mon cœur l'ait lâché. Et moi, j'en ai pas large. Oh là là, tu te rends compte que même mon père m'a même pas reconnu. Par contre, t'as entendu? Il veut voir Julia, alors bye bye Jess. Hop, faut que t'ailles te changer. Laisse-moi une minute et je la fais revenir. Alors ma chérie, comment ça s'est passé? Comme prévu, c'est fait. Tu veux dire que... Oui, Chris, c'est fait. Bah, tu l'as pas fait mariner un petit peu? Il était comme un fou. Je peux te dire que maintenant, il va me manger dans la main. Je suis fière de toi, ma fille. Et tout ça, c'est grâce à toi. Heureusement que je t'ai écoutée. T'aurais vu la tête qu'il a fait quand il m'a accueillie. Ah, ça, c'est sûr. A trop tiré sur la corde, tu comprends? Ouais, enfin... Heureusement que j'ai pas fait la même erreur que toi. Enfin bon, en tout cas, je suis très contente de ma journée, très satisfaite. J'ai remis tous mes pions en place. Tout s'est déroulé à la perfection. Tous tes pions? Bah oui, Lucas aussi, je l'ai remis dans la poche. Et je vais l'avoir, ma chanson. Ah bon, mais tu l'as entendu, elle est bien? Non, pas encore. Mais je peux te dire que quand il la fera, ce sera d'enfer. J'adore. Vas-y, perds pas de temps. Je vais te venger, maman. Tout ce que t'as pas pu faire, je le ferai. Je t'aime, ma chérie. Merci. Moi aussi, maman. Bon, je vais quand même revoir Lucas tout à l'heure, histoire qu'il n'oublie pas ma chanson. T'as raison, chérie. Toi, t'as vraiment tout compris aux hommes, hein? Tu sais comment ils fonctionnent. Et quand on a compris ça, toutes les portes sont ouvertes. Ouais, toutes les portes. Je le sais maintenant. Je crois que c'est bon, là. That's good for me. Ouais, moi j'ai rien à dire. Alors j'envoie ça à la chaîne.
Et je vous dis fin de journée. Yes! Enfin une soirée off. Mais c'est pas beau, ça. C'est le soir de la semaine que tu préfères, n'est-ce pas? Et comment? Mais attends, ça t'ennuie à ce point de dîner avec des belles femmes comme nous les autres soirs? Mais pas du tout. C'est un plaisir extraordinaire de passer un moment avec vous. Mais quand on est ensemble, on parle que boulot. Ouais. Et puis si seulement vous me regardiez comme un homme. Un objet sexuel. Non, nos job and job, tu le sais bien. Enfin, ouais, dommage. Entre nous, hein, parce qu'avec les candidats, tu te gênes pas. D'ailleurs, c'était qui la petite que j'ai vue sous la table? J'ai vu ses pieds à chaque fois que je me retournais. Mais c'est pour ça que t'es restée une plombe. Je le crois pas. Ça me faisait trop marrer. Elle était qu'une saloperie. Ah non. Il dirait ses forces pour ce soir, au moins. Ah, vous inquiétez pas, va. Et juste entre nous. Vous savez pas ce que vous ratez. Oh. Si, si, justement. Oh, je préfère me coucher, moi. Dormir 8 heures de soir, c'est du luxe. Tu dînes pas? Non, plateau télé sur le couette. Il n'y a rien de mieux. Ah, ben c'est super excitant. Moi, je préfère un bon 95B. Sous la couette aussi. Hein. Bon, allez, à demain, les filles. Et. Bon, c'est à moi. Oh, night, Playboy. Je me demande comment il fait. Je vais prendre des pilules. Je confirme. J'ai vu une boîte vide dans sa poubelle. Ça explique tout, alors. Ouais, ouais. Bon. Tu fais quoi, toi? Je sais pas. Peut-être comme toi. Alors, bonne couette. Merci. Repose-toi bien, Marie. Ouais, toi aussi. Demain. Oh. Bon. Allô? Allô, Pierre? Ah, Amanda, quelle joie. Quand allez-vous? Très bien. Je vous dérange pas? Pas du tout, plaisantez. Que me vaut le plaisir de votre appel? Eh bien, je suis seule ce soir. J'ai une soirée off. Alors je me suis dit, et si je vous invitais à dîner? Je veux dire que vous êtes la première femme qui me fait de telles propositions. Comme quoi, il y a une première fois pour tout. Ça vous tente? Avec plaisir. Je dirais même avec beaucoup de plaisir. Formidable. Je réserve et on se dit quoi, vers 20h? Parfait. Vous devriez aussi me demander quel style de nourriture j'aime. Ah oui, pardon, c'est vrai, j'ai oublié. Non, je plaisante. Je vous mets très à l'aise, j'aime tout. Parfait. Je réserve et je vous envoie l'adresse par SMS. Ça me va. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Pierre. Allô, Anouk? Oui, est-ce qu'on peut pas remettre notre dîner à demain, là? Non, parce que là, j'ai beaucoup de travail et puis je suis crevé. Bah, tu me préviens que maintenant? J'étais prête, moi, Pierre. J'étais sur le point de partir. Oh, écoute, tu sais ce que c'est? J'avais le nez plongé dans mes dossiers. T'es en train de me gâcher la soirée, c'est tout ce que tu trouves à me dire. Oh, mais essaie de comprendre, je suis exténué, là, maintenant. J'ai l'impression que je ne fais que ça, hein, depuis quelque temps. Hein. Pas te bousculer, te comprendre, me mettre à ta place. S'il te plaît, arrête, hein. Admets que depuis quelque temps, tu me fais tourner en bourrique, hein, t'es plus le même. C'est qu'un dîner. N'en fais pas tout un plat. Et donc, il y a quelques années, tu te serais damné pour passer une soirée avec moi. Force est de constater que les temps changent. Pas mes sentiments, je t'en donne suffisamment la preuve. T'en es certain, Pierre? Mais enfin, nous, que je suis fatigué. On va pas remettre notre relation en cause à cause de ça. C'est très bien que je t'aime. Excuse-moi, je suis stupide. Non. Amoureuse. Enfin, je l'espère. Ah oui, c'est bien là mon drame. Bon, si t'es fatiguée, je dépose les armes. Repose-toi, mon amour. Merci, ma chérie. On se voit demain. Je t'aime. Moi aussi. Pierre? 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 Princesse, je t'avais pas vue. Ah, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. On part tous les deux la semaine prochaine aux États-Unis. J'ai rendez-vous avec de gros investisseurs et je pense que c'est bon qu'ils voient que ma relève est assurée.
La semaine prochaine, t'es sûre? Eh oui, oui. Tu vois, on va faire un voyage formidable. T'es heureuse? Oui, bien sûr. C'est juste que la semaine prochaine, j'avais des rendez-vous de prévus. Eh ben, tes rendez-vous, tu les repousses. Je voulais te demander... J'ai vu dans ta chambre une copine à toi, très mignonne. Non. T'es qui? Une copine... Ah oui, Jess. En fait, c'est une amie de Violette. Bah, figure-toi qu'elle correspond exactement au profil qu'on cherche pour ma campagne. Tu peux me la présenter? Oui, bien sûr. Très bien. Merci, chérie. Moi, je file, j'ai un dîner. C'est pas possible. On m'avait dit... On m'a tout dit... On m'a appris sur... Sur quoi? On m'a tout dit, tout appris sur le bien, le mal. Ah bah te voilà. Ça fait une heure que je te cherche partout. Tu te cachais? Ouais, c'est un peu ça. Pourquoi? Je sais pas, ici j'aime bien, c'est calme. C'est l'endroit où je fais ma musique, où j'existe. J'aime bien. Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste venir te voir, c'est tout. C'est joli ce que tu joues, c'est quoi? Ça? Bon, ça c'est rien, ça c'est... Ça pourrait être le début de ma nouvelle chanson. Enfin, c'est pas une chanson là, tu vois, c'est... Peut-être que si je reste avec toi, ça va t'inspirer. Peut-être. J'aime bien cet accord. C'est un la mineur, c'est... nostalgique. Et moi, ça me rend romantique. Qu'est-ce que tu fais là? Oh Margot, j'ai pas envie de ça là. Tu joues à quoi là? Menteur. C'est pas ce que tu disais pourtant hier soir. Ah, mais hier soir, j'ai un petit peu bu. J'étais pas dans mon état normal, donc voilà. Oui, et c'était très bien. T'as pas aimé, toi? Bah, oui, c'était bien, mais... Non, c'était mieux que ça. Et si on reprenait les choses où on les a laissées? Hein? Et pourquoi faire? Toi et moi, c'est vouer l'échec. Ça sert à rien de s'entêter à vouloir être heureux. On n'y arrivera pas, Margot. Tu comptes tellement pour moi, Lucas. Écoute, si on se redonnait encore une chance. Et pourquoi faire? Je peux pas me passer de toi. On est tellement bien ensemble. Tu peux pas dire le contraire. Pardon. Écoute. Ne dis plus rien. Et laisse-moi faire. Viens. Et tu dois partir dans 2 semaines? Oui, en même temps que les auditions. Donc c'est foutu tout ce qu'on a fait là. Mais non, attends, il doit bien y avoir une solution. Mais non, je te dis, c'est impossible. Tu sais que mon père, quand il a quelque chose en tête, c'est fini, quoi. Donc là, on peut tirer un trait sur le concours, sur Stéphane Bouane et sa chanson. Attends, calme-toi. Je suis sûre qu'il doit y avoir une solution. Tu dis à ton père que tu peux pas y aller. Mais c'est impossible, Violette. Il suffit juste de trouver LE bon prétexte. Violette, tu connais mon père. Tu sais très bien que quand il a quelque chose en tête, c'est impossible de le faire enlever. Attends, on va appeler Andrea. Toutes les deux, on va trouver quelque chose, on va s'activer les neurones, t'inquiète pas. Ouais, essaye de trouver plutôt comment enterrer Jess. Non, non, ça c'est hors de question. Y a pas de solution, c'est fichu, Violette, là. Attends, calme-toi. Un problème à la fois, d'accord? Pour l'instant, Jess est attendue à dîner chez Stéphane Brown et il faut qu'elle se prépare. Mais à quoi bon? Allez, je te dis. Fais-moi confiance, on va trouver quelque chose. Bouge-toi. Allez, dépêche-toi. Je veux la gloire, écrire l'histoire, c'est mon droit. Je voudrais croire que tous les regards sont pour moi. Courir les rues, me mettre à nu en plein jour. Au dépourvu de l'imprévu en amour. J'avoue, je veux tout.
Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Essayez-vous, je vous en prie. Ça me fait tout drôle de me faire inviter par une femme. Je vous rassure, c'est la première fois pour moi aussi. Une coupe de champagne vous ferait plaisir? Oui, oui, champagne. Mademoiselle, une autre coupe, s'il vous plaît. Je vous trouve très beau ce soir, Pierre. Vous êtes très belle, vous aussi. On dirait que je marque déjà des points. Ah. Est-ce que vous seriez un homme facile, Pierre? Oh, n'y comptez pas trop, non? Un allumeur, alors? D'accord. Un séducteur. Je vais devoir jouer serré, là. Là, nous sommes toujours dans le jeu ou vous êtes sincère? Devinez. Sans compter que vous avez de très beaux yeux aussi. Si on entre dans le registre banalité servie par un homme à une femme... Je plaisante pas. J'adore vos yeux. Il y a une profondeur dans votre regard. Et je sais pas... un petit fond de tristesse aussi, peut-être. On ne vous l'a jamais dit? Une fois, ma femme. Ah, vous êtes mariés? Séparés. Triste? Oh, plus maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie du jour au lendemain. Pour un autre? Non, pour chanter. Aux dernières nouvelles, elle se produirait à Vegas. Mais si on parlait d'autre chose? Ça ravive des souvenirs douloureux. Maintenant, ça m'ennuie. Bon, pour résumer, vous êtes libre. Tant mieux. Je ne jette jamais mon dévolu sur un homme déjà pris. Je déteste le partage. Qui vous dit que je suis libre? Ah non, Pierre. Vous me brisez déjà le cœur. Oh, je m'en voudrais. Alors n'en parlons plus. En tout cas, ce soir, vous êtes tout à moi. J'arrive pas. J'ai envie de toi, viens. Arrête, on est en train de faire une connerie, là. J'ai envie de toi, t'as envie de moi. C'est vraiment pas le moment de se prendre la tête. Désolé, je peux pas. Mais bien sûr que si. Allez, viens. Non, j'y arrive pas, là. Je peux pas et j'ai pas envie. T'as vraiment un problème. Ben, pense ce que tu veux, mais... Je préfère qu'on arrête là. Mais je t'aime, moi. Mais tu m'aimes. Tu m'aimes à ta façon. C'est pas ça, l'amour pour moi. Tu sais quoi? T'es qu'un con. Si ça peut te faire plaisir... Tu peux pas me traiter comme ça, Lucas. Une fois, tu te jettes sur moi, ensuite tu me fuis. Je suis perdue, moi. Tu vois, c'est ça le problème entre toi et moi. C'est que t'attends des trucs de moi que je peux pas t'apporter, donc forcément, je préfère qu'on arrête là. Des mecs comme toi, j'en envoie bouler 10 par jour. T'es vraiment un loser, Lucas, tu le sais ça? Un loser. Ok. Message reçu. Je me casse. Non, attends, reviens. Pourquoi? Pour que... on se prenne la tête tout le temps? Non, ça ira, merci. T'es vraiment un sale con! J'ai entendu! Bon, t'es sûr que ça va aller? Ouais, ouais, c'est bon. Mais bon, je vais continuer à pied, là, parce que j'ai besoin de respirer un peu avant de rentrer dans l'arène. Ah, ça va, hein. C'est un dîner avec Stéphane Brown, hein. C'est pas la mort. Mais je vous l'ai dit, je le sens pas, ce type. Ça va aller. Allez, courage. Mais oui, puis pense à ton objectif principal, ta chanson. Et puis au pire, s'il se passe quelque chose, tu nous appelles et on viendra. D'accord? Ok. Bon, allez, bonne soirée, chérie. Hein. On croise les doigts pour toi. Merci. Jess! Ah, les gars! Qu'est-ce que tu fais là? T'habites dans le coin? Bah écoute, non, je me promène. Enfin, non, j'ai un dîner avec des amis. Ah, ok. Au fait, je voulais te dire, pour la dernière fois, tu m'as vraiment mais bluffé, quoi. C'est vrai? Ah non, mais sincèrement, tu m'as scotché, quoi. Ta voix, ton univers, bravo. T'en fais pas un peu trop? Ah non, non, mais là, je suis carrément fan. Ça te dit que un de ces quatre, on aille boire un verre, je sais pas, on va peut-être parler musique, faire connaissance. Bah écoute, bon, là je suis vraiment attendue par mes amis, mais t'inquiète pas, on te fait ça un séjour. Ok.
Bah, un de ces quatre. Ouais, un de ces quatre. Salut. À plus. Très bien, Guillaume. Quand vous aurez fini de servir le dessert, vous pourrez disposer. Je peux rester desservir si vous voulez. Non, ça ira. J'ai besoin de rester seul avec mon invité. J'ai besoin d'un peu d'intimité, si vous voyez ce que je veux dire. Je veux la gloire, écrire l'histoire, c'est mon droit. Je voudrais croire que tous les regards sont pour moi. Courir la rue, me mettre à nu en plein jour. Au dépourvu de l'imprévu en amour. J'avoue, je veux tout. Je vous trouve vraiment extraordinaire, Jess. Non, vraiment bien, pourquoi? Je sais pas, vous avez ce... je ne sais quoi qui vous rend différent des autres. J'ai besoin à comédie à trouver l'inspiration. Comment? En vous rapprochant de moi. Jess? Bah alors raconte, comment ça s'est passé? Tu l'as ta chanson? Vous savez que je suis connu ici. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Vous êtes un bel homme qui se fait draguer par une femme. La Lanterne Rouge? Oui, bonsoir. Je voudrais parler à monsieur Delacour, je pense qu'il a réservé chez vous. Ah, voyez-vous le passé? Je crois avoir reconnu la voix de Madame Pontier. Madame Pontier, je ne suis là pour personne, je veux pas être dérangée ce soir. Salaud, sale menteur. J'espère que t'es pas avec une bonne femme.